Salut à tous, une petite expérience pour la rigolade. Complètement ascientifique, mais j'ai envie de voir combien de pubs on peut se bouffer sur les pages d'accueil d'une dizaine de sites généralistes et uniquement généralistes. Par simple curiosité, parce que je dois le dire, ça fait à peu près depuis 2011-2012 que j'utilise des bloqueurs de pubs. Et mes nerfs, mes oreilles et mes yeux m'en remercie franchement. Parce qu'il faut des choses comme ça, la publicité, c'est la pollution. Voilà, c'est dit. Même certains sites nous font tomber, nous font couler des larmes de crocodile. Ouais, vous bloquez nous, vous pouvez vous allez nous tuer. Moi, je répondais qu'une seule chose, utilisez un autre mode de financement. Et ne faites pas bip. Voilà. Donc, pour cette expérience, je vais prendre la dizaine de sites suivants, à savoir Clubic, 01 Net et ZDNet, pour le côté informatique. Le Figaro, Les Échos, Libération et Le Monde pour tout ce qui est en gros presse classique, YouTube et Dailymotion pour la vidéo et Le Bon Coin pour un site entièrement généraliste. J'ai pris des sites dont on peut avoir le contenu sans passer par la création d'un compte. Donc sur chaque site, je vais prendre la page d'accueil et je vais dénombrer le nombre de placards publicitaires qu'on peut voir, placards publicitaires et apparentés. Et on fera le total. La vidéo va durer une petite dizaine de minutes. Et donc, sur une dizaine de minutes, je vais voir combien je dois avoir me taper de publicités classiques ou animées. Donc, pour ce, je suis parti d'un Firefox 59 en français, avec un profil que je vais créer, donc la ligne de commande, moins P et, pour dire Profile Manager, le gestionnaire de profil. Voilà, donc je vais créer un nouveau profil. Pour éviter qu'on dise ouais, tu utilises un profil qui est déjà qui bloque une publicité, donc je prends la configuration par défaut. Voilà. Et je lance Firefox. Voilà, donc là je vais réduire la fenêtre. Voilà, alors je vais encore réduire un peu plus la fenêtre. Voilà, comme ça au moins on sera à peu près. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un profil de Mozilla Firefox 59, la version stable au 21 avril 2018, au moment où j'enregistre la vidéo, sans aucun réglage tiers. Donc là, je vide déjà, voilà, je vide tout, pour être sûr et certain que le profil est bien propre. Et on va commencer par Clubic. Et on va voir le nombre de placards de pub que nous bouffons. Une, deux, trois, quatre, 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 cinq. Cinq publicités. Je pensais qu'il y en aurait plus. Donc, Clubic, 5 placards publicitaires. En une seule page, c'est pas si mal que ça. Non, ça c'est pas une pub. Ok. Donc, on recommence, on recompte bien. Une. Deux, trois. Quatre. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oui, uniquement 5 pubs. Je préfère en compter par sécurité pour dire ouais, t'en as oublié une ou pas. Donc déjà 5 pubs sur Clubic. Ensuite, 01 net. Alors, nous avons dit une. Alors, deux qui nous bloquent l'affichage d'ailleurs. Alors, je commence. Une. Deux. Il nous fait chier. Deux, 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 deux. Deux, 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 deux. Deux, deux, deux.
3. Quatre. Quatre, dont une bien chiante. Parce qu'elle bouffe parfois l'apparence. Donc ça fait déjà quatre pubs. Sympa cadeau. La pire, mais c'est quand même déjà pas mal. ZDNet.fr. Donc, on va fermer ça. Non, merci. Une, avec un petit peu de vidéo. Deux. Trois. 3, 3, 3, 3, 3. Quatre. Elles sont moins nombreuses, mais elles sont vraiment beaucoup plus, dirons-nous, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ça colle, on ne va pas s'en débarrasser. Attaquons maintenant le Figaro. Et non pas le Gorafi. Donc parfois on se demande cette différence entre les deux. Alors, boum, 1, 2, 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 3, parce qu'il y avait 3 pour une groupée, dans 3. Partenariat, c'est limite, donc on va dire 3 toujours. Quatre pour le moment. 5, voilà, et cinquième plaqué de pub. 6. Sept. Huit, parce que c'est notre partenaire. Moi, je considère que c'est la pub. Neuf. Dix. Allez, on va dire 10 pubs. En comptant service partenaire, parce que je considère que c'est la publicité déguisée. Voilà. Et vous remarquerez quand même que le Figaro a autant de publicité que Clubic et 01net ou ZDNet ensemble. Les échos. Alors, on ferme sur le placard. Une. On va mettre deux. Avec la géolocalisation. On va dire 3. Les échos sont quand même moins gourmands. Libération.fr. Donc déjà, je vais un peu supprimer le cache. Hein. Non, merci. Alors, Heinz. Une, deux,
2, 2, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7, 7, 7, 7, 7. C'est pas le rallonge, c'est un peu chiant. On y arrive bientôt. Il a fait la page, oui. Désolé, c'est un peu lent, mais... D'accord, ça change à l'autre. Donc on va dire 7 pages. 7 pages. 7 bloqueurs. 7, mais encore, mais c'est un truc qui se change à l'infini, donc on n'en finirait pas. Donc déjà 7, avant le grand scrolling à l'infini. Le monde. Je crois d'ailleurs que le général de Gaulle parlait de l'immonde. Les jeux de mots, n'est-ce pas? Alors, nous avons dit. Un placard publicitaire. 2. 3. 3, 3, 3, 4. On peut dire 5. 6. Quand je suis sponsorisé, pas comme visiteur pour moi, c'est la même chose. 6. 6, 6, 6, 6, 6. 6. Est-ce qu'il va me faire le même coup que le site précédent? 7. 8, 9. Donc en gros, 9. En comptant les contenus sponsorisés. Je ne savais pas que la presse classique allait bouffer presque plus de pubs que la presse informatique. Attaquons maintenant tout ce qui est site de vidéos en ligne, YouTube et Dailymotion. Je m'assure, je ne prendrai que la page d'accueil. Me le rappeler plus tard. Donc on descend jusqu'en bas. Étrangement, il n'y a pas de pub apparemment. Non mais on peut continuer, je pense, ad vitam aeternam. Il faudra du rechargement. Donc, zéro. Donc apparemment... Là, ça m'étonne un peu. Dailymotion. À moins qu'ils ne mettent de la pub que pour les connecter à YouTube. Dailymotion.fr, comme souvenir. Non, c'est comme, bon, autant pour moi. J'ai pris. Alors. Sur le même principe que YouTube, ça doit se recharger. Ah non. Apparemment, 0 aussi. Donc c'est 0 point d'interrogation, j'avoue que je suis surpris. Et on va finir avec Le Bon Coin, qui est quand même un gros site de petites annonces.
leboncoin.fr. Acte de bon coin, blablabla. Non, rien. Pardon, zéro pub. Donc là, on va faire maintenant le total des pubs que je me suis bouffé le temps de la vidéo. On va fermer ça. Donc ça fait 9, 13. 13, alors déjà, ça fait déjà 13 pubs pour les sites informatiques. 15, 22, 20, 10, 15. 22, 31. Donc, le temps de cette vidéo, je me suis quand même tapé un peu plus d'une quarantaine de publicités. Certaines étant quand même beaucoup plus invasives que les autres. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'utilise plus de beaucoup. Je n'utilise un bloqueur de pub et les sites qui me disent « Ouais, tu bloques d'autres pubs, tu vas nous tuer. » Je ne reprends qu'une chose, changer de mode publicitaire. Cette vidéo n'était pas franchement scientifique, mais ça vous donne un aperçu, dirons-nous, de la pollution publicitaire que l'on peut avoir. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao !